Vous savez, ma devise, c'est de dire c'est pas comme avant, c'est pas comme l'année dernière, j'aime pas ça, vous voyez, parce que je voudrais toujours que ce soit mieux. Et bien là, c'est une réussite. Le stand est plus grand que d'habitude. Nous allons avoir plus d'amis qui vont venir. Et tenez-vous bien, il y a des amis de 22 départements qui vont venir aider les franciliens pour tenir le stand. C'est donc là aussi pas comme l'année dernière, mais mieux que l'année dernière. Et enfin, il faut vous dire qu'on a aussi une grande, grande victoire, et je suis heureux que Patrick Le Yarrig soit avec nous, c'est que nous avons réussi à faire revenir l'Europe sur la décision qui avait été prise de couper l'aide humanitaire alimentaire aux associations, par exemple en France, aux banques alimentaires, à la Croix-Rouge, au Resto du Cœur et à notre association. Eh bien, nous avons réussi à les faire reculer. C'est extraordinaire, vous voyez bien tout ce qu'on dit, l'Europe, mais non, l'Europe ne peut pas décider tout, la preuve c'est qu'on les a fait reculer. Et la leçon à retenir aussi, et dans notre période c'est vraiment important, c'est qu'on a réussi à les faire reculer parce qu'il y avait les quatre associations qui travaillaient au coude à coude. Vous savez, c'est pas un grand secret que je vous livre, mais les Restos du Cœur, les banques alimentaires et la Croix-Rouge, ils sont pas habitués à faire des choses comme nous. Pour en revenir à l'Europe, il faut dire qu'on est heureux d'avoir Patrick avec nous, parce qu'il nous a aidés, il a toujours été aux côtés, des fois même à la tête, pour faire revenir l'Europe sur sa décision. Et alors, puisque Patrick est là, il y a aussi une autre bonne nouvelle, c'est que je viens d'apprendre que le journal L'Humanité va sortir un numéro spécial de solidarité pour les enfants de Gaza, c'est-à-dire que ça répond à notre souci aussi de faire plus pour les enfants de Gaza, puisque nous venons de lancer une campagne pour 10 000 enfants de Gaza, eh bien le journal L'Humanité va éditer un numéro spécial à 5 euros et c'est prévu qu'il y aura 2 euros qui seront reversés au Secours Populaire. Donc un grand merci Patrick, merci à L'Humanité, c'est un précieux coup de main que vous nous donnez. Et eh bien voilà, j'en ai presque terminé. Je voulais vous dire que la tenue du stand, le montage, le démontage, c'est pas le Club Med, hein. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et vous êtes prévenus, mais ce qui m'encourage, c'est que quand il y a des amis qui partent, qui me disent au revoir, ils me remercient. Ils me disent merci de nous avoir invités. Ils sont complètement à plat, mais ils sont contents. Merci, c'est bien ce que vous êtes. Ça veut dire que c'est chouette, vous voyez, c'est les coqs, et qu'ils se dévouent comme ça pour la solidarité. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne fête, costaud, et puis tout à l'heure, bon appétit. Simplement, je veux vous remercier à nouveau, remercier mon ami Julien. Je tiens tous les ans à venir vous saluer parce que vous êtes un espace extrêmement important pour notre fête. Et vous disiez plus dans le temps, vous aviez une petite phrase qui disait dans le temps, tout ce qui est humain est nôtre, nous qui sommes l'humanité, tout ce qui est humain donc est nôtre. Nous avons ceci en commun et c'est pour ça que, comme l'a dit Julien, nous avons toujours été les porteurs des initiatives, des idées, des pensées, des actes aussi du Secours Populaire français, et nous continuerons à l'être de différentes manières. Ce qui se fait, c'est vrai que moi j'ai été très très impressionné, je l'avais déjà été l'an passé, mais j'ai encore été très impressionné cet été avec l'initiative des enfants à la mer. Je trouve que là c'est quelque chose qui ressemble à un mouvement assez considérable, et derrière cela, derrière l'image de car et même d'enfants qui montent dans le car, je crois que vous donnez quand même dans un monde où vraisemblablement ces enfants et d'autres vivent souvent dans des difficultés, dans peut-être la souffrance de la précarité de leurs parents, eux-mêmes des angoisses face à l'avenir, vous leur donnez quelque chose qui ressemble quand même à du bonheur, et en tout cas vous donnez en général à chacune et chacun de l'humanité, c'est-à-dire vous permettez à chacune et à chacun de cette vie où on serait mieux si on était ensemble, ou si les richesses étaient partagées, ou si enfin on écoutait celles et ceux qui aujourd'hui sont
victimes de licenciements, victimes de coupures de gaz et d'électricité, victimes de basses prestations, trop basses prestations sociales. Et donc tout ceci, tout ce que vous faites là est formidable. Et donc dans les actions que nous allons faire ensemble, à partir de la fête, il y a le projet que vient de dire devant vous Julien. Nous allons nous associer, c'est-à-dire que nous allons nous reprendre tout ce que nous avons fait cet été lors de l'agression militaire israélienne contre Gaza et contre les enfants de Gaza pour aider à porter votre campagne pour 10 000 enfants de Gaza avec l'édition spéciale que nous allons éditer. Nous restituerons 2 euros au Secours Populaire et si notre opération marche, on peut espérer entre 15 et 25 000 euros supplémentaires pour la campagne que vous allez faire, ce qui soulagera quand même beaucoup, beaucoup d'enfants là-bas qui sont aujourd'hui, certains sont blessés, près de 575 d'entre eux sont blessés. D'autres sont traumatisés, d'autres n'ont plus rien, n'ont plus ni leurs jouets, ni leur cahier pour aller à l'école. Il y aura même des difficultés pour ouvrir les écoles, puisqu'on a détruit, à peu près 400 écoles, 125 écoles de l'ONU et 150 écoles de l'État palestinien lui-même. Donc nous allons être ensemble dans cette bataille-là, comme nous serons, nous devrions d'ailleurs refaire plus que nous le faisons, ce que nous faisions dans le temps ensemble pour les Pères Noël verts, c'est-à-dire nous avons là aussi peut-être à régénérer cette belle campagne-là qui sert aussi aux enfants de notre pays. Donc merci à vous, bon courage pour la fête, belle fête, profitez-en bien, parce qu'il y a la tenue du stand, Julien, mais il faut aussi qu'ils profitent des spectacles, de la fête, parce que c'est aussi emmenez-y vos amis, faites-leur ressentir un peu l'ambiance de solidarité et de fraternité qu'il y a ici, parce que l'humanité, comme le Secours Populaire, c'est la solidarité et la fraternité. Merci.